Après que sa candidature ait été retenue par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi, depuis son quartier général à Lubumbashi, a remercié les institutions, notamment la centrale électorale et la Cour constitutionnelle, qu'il invite à œuvrer sous cette optique. Nous allons en parler ce matin. Bonjour chez vous à la maison et bienvenue dans ces magazines, dans ces politiques. Je démarre avec des invités. Nous recevons pour vous Bavon Minga, il est cadre du parti politique Ma Part pour les Congo. Il est à ma gauche, et Ludovic Kalengayi, patron de la société, de la structure PEMVS, qui est à ma droite, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Le PEMVS, ça marche? Ça marche très bien, sauf que les inquiétudes par rapport à la situation actuelle à l'est du pays, mais on fait de notre effort pour que notre voix puisse être entendue et que les solutions puissent être trouvées d'une manière profonde. L'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est également au menu de cet entretien. Nous allons en parler avec vous, Bavon Minga, bonjour. Bonjour Vincent Muzungu, bonjour David Kalengai et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à partir de Mweka Ilebo et dans le fin fond de Bouloum. Alors, vous étiez en province. Quelles sont les grandes nouvelles de ce qui se passe en province? Les grandes nouvelles, c'est que les satisfaits que la population a manifestés vis-à-vis des exploits du chef de l'État et aussi la population attend à bras ouverts les élections pour qu'elle puisse renouveler sa confiance au chef de l'État, Fatih Beton. Exploits, quand vous parlez des exploits, vous faites allusion à quoi? Plusieurs réalisations en cours et déjà faites. Je pense que vous êtes témoin parce que vous étiez à Kinshasa. Nous, on suivait à partir des réseaux sociaux et par les voix des zones aussi à travers vos télévisions. Donc, s'il y a des témoins patents, c'est bien vous. C'est à vous de me faire la liste. Mais sinon, ce que nous avons vécu, nous pensons qu'il y a lié de croire à la réélection de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci bien. Ici, je ne suis qu'un arbitre, je ne ferai pas la liste. Je dois lire les journaux qui sont parus ce jeudi 2 novembre dans la capitale congolaise. Je démarre ma lecture avec L'Avenir qui titre à sa une. À quelques semaines du 20 décembre 2023, l'opposition prépare mieux la contestation que les élections. Brazzaville, un nouveau Fachi, point d'interrogation à la fin. J'ai continué ma lecture avec La Prospérité qui écrit Zélecaf, Jean-Lucien Boussa interpelle les acteurs institutionnels et gouvernementaux. Brazzaville, un nouveau Fachi, le même titre qui revient également ici. La Percée écrit l'enveloppe destinée à l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Nicolas Kazadi et Isidore Kwanja à couteau tiré. Cet article m'intéresse également ce matin. Présidentielle 2023, voici les parcours des candidats présidents de la République. Forum des As écrit traitement des candidatures à l'élection présidentielle. Moïse Katumbi salue l'équité de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Le tout dernier journal, il s'agit de La Vérité qui revient à sa manchette du sommet des trois bassins forestiers. Félix Tshisekedi a tenu un discours de vérité. Fin de cette lecture des journaux, nous démarrons avec les analyses de Ludovic Kalengayi. Je reviens à vous, contentieux des candidatures à la Cour constitutionnelle. Moïse Katumbi, les gens pensaient qu'il allait être écarté parce qu'il a été accusé d'avoir une double nationalité. C'est Noël Chani qui l'a dit, hein, moi je ne suis pour rien. Mais la Cour a dit qu'il est congolais, enfin il est candidat président. Contre toute attente, il a fait une communication hier depuis son quartier général à Lubumbashi où il a remercié les institutions, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. D'après vous, c'est Tshisekedi qui remporte sur le plan de l'appareil judiciaire ou bien tout simplement c'est un nouvel élan? Bon, en fait, moi je commencerai d'abord par féliciter aussi la CENI. Sûrement peut-être qu'ils ont eu une pression, je ne sais pas, mais déjà le fait qu'on dit la fin justifie les moyens, ce sont déjà les félicitations. Je n'aimerais pas que l'on puisse mettre ça dans le dos du chef de l'État parce que lui-même a toujours parlé de la séparation du pouvoir. Lui ne pouvait jamais s'ingérer, mais sauf qu'il a une part de responsabilité par rapport à l'instauration de l'État de droit qu'il a eu à faire. Mais la question n'est pas à ce niveau. Vous voyez, lorsque nous parlons souvent des débats, surtout par rapport aux élections en République démocratique du Congo, je m'étais décidé depuis un certain temps.
nous et le PMVS, de se désengager des attaques personnelles ou parler des individus. Vous vous rappelez qu'il y a élection dans moins de 40 jours, mais au niveau de Kouamount, les gens ne se sont pas enrôlés. À l'est du pays, dans le Routchour ou dans les Massissi, les gens ne se sont pas enrôlés. Moi, je pense que la question doit se situer à ce niveau des élections à l'est du pays. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections sans que, par exemple, au niveau de Routchour, il n'y a pas un représentant à l'Assemblée nationale. Au niveau de Kouamount, il n'y a pas un représentant à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il faudrait vous voir aussi, peut-être un jeune garçon de Kouamount ou encore de Routchour, vous pouvez être candidat président de la République. Mais aujourd'hui, par rapport à l'insécurité à l'est du pays, il ne va pas se présenter. Moi, je pense que la question devrait se focaliser à ce niveau. Voilà pourquoi le PMVS avait même demandé les reports des élections de 2 ans ou 3 ans pour qu'on puisse régler les causes profondes des conflits. Nous allons en parler. Katumbi doit faire quoi par rapport à ce que vous suivez comme mot, parce qu'il est candidat président de la République. Bon, quand Moïse Katumbi doit aller, doit préparer sa campagne, comme tout le monde, comme le chef de l'État aussi doit préparer sa campagne, mais nous ne voyons pas les choses à ce niveau-là. Nous disons, avant de se prononcer pour la campagne de Kikasusta, j'insiste, que nous, le PMVS, on ne traite jamais les questions liées aux individus, parce que ça détruit le pays depuis des décennies. Je pense qu'on doit mettre la population devant, et cette population marginalisée à Routchour, Massissi et Kouamount n'iront pas aux élections. Je pense que nos sourires et nos encouragements doivent être remplacés aux pleurs, afflictions et douleurs, de manière de participer avec cette douleur et de demander au gouvernement congolais de commencer d'abord par enrôler les gens de ce côté-là. Quand on sait que l'opposition a toujours la tendance de critiquer quand ça ne marche pas, oui, et que Katumbi, qui encense les institutions, sachant très bien que c'est Tshisekedi qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ouais. C'est-à-dire que le remerciement de Katumbi prouve que c'est une démocratie qui est en train de prendre place. Moi je ne m'aurais pas situé comment est-ce que simplement pour la recevabilité de la candidature d'un seul individu peut créer la démocratie, peut-être une preuve de la démocratie. Moi, je ne m'aurais vraiment pas... Personne n'a été écarté, ils sont au nombre de 26 candidats. Exactement, mais le chef de l'État avait parlé de l'état de droit. Mmh. C'est une preuve de l'état de droit. Mais l'état de droit aussi devrait s'accentuer sur le refus de nos frères de l'autre côté. J'insiste et j'aimerais même que vous entendiez nos frères de Kouamount. Ils ne vont pas participer aux élections. Mais ça, on va en parler. Mais exactement. C'est pour cela que non, moi, j'aimerais que l'opinion congolaise puisse être orientée sur des questions vraies de la République. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le dépôt ou non de la candidature de Moïse Katumbi, le dépôt ou non de la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais les questions prioritaires en République démocratique du Congo, c'est régler les causes profondes des conflits à l'est du pays et à Kouamount. C'est suffisamment rare pour être souligné dans une vidéo diffusé hier, mercredi 1er novembre. Moïse Katumbi a félicité la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et la Cour constitutionnelle pour leur traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Bafo Minga, c'est quand même rare qu'un opposant ait ce sens élevé du patriotisme de reconnaître les actions qui sont louables. Katumbi est égal à lui-même, parce qu'il avait dit qu'il fera une opposition républicaine. Quand c'est bon, il dira que c'est bon. Quand c'est faux, il ne flattera pas. Non, je ne pense pas qu'il soit trop honnête pour dire ça. Il l'a dit sous émotion du fait qu'il y a eu des doutes autour de sa nationalité et il ne pensait pas qu'une telle décision de la Cour tombe en sa faveur. Et vous savez, en ce qui concerne la décision qui a avalisé la candidature de Katumbi à la Cour constitutionnelle, la Cour n'a pas eu le temps matériel suffisant pour étudier cette question. Il y a eu doute sur beaucoup de questions et les doutes souvent en droit profitent à l'accusé. Face à cette situation, l'accusé c'était Katumbi. Un tel dossier ne pouvait pas être étudié dans la précipitation. Mais parce que l'État n'a pas permis, ça a profité à Katumbi, nous inclinons devant la décision de la Cour. Un scénario rendu dans la précipitation. Effectivement, vous entendre parler. Effectivement, le temps pour cette question n'était pas convenu pour qu'on puisse étudier une si grande question, la question qui concerne la nationalité d'un individu. Parce qu'il y a là un acquiescement tacite d'infiltration. Donc tout le monde aujourd'hui peut se rêver, dire je suis congolais, parce qu'il y a déjà un cas de jurisprudence
je pense que nous ne saurons pas. Mais si c'est sur base de quel élément que vous dites qu'il n'y avait pas assez de temps, quand on sait très bien que l'institution cour constitutionnelle, passez-moi, c'est quand même une autre juridiction de chez nous, ils ont suffisamment du temps, ce sont des caciques, des gaillards à la matière, ils ne peuvent pas se permettre le luxe de dépasser ce qui n'est pas ce qui est anticonstitutionnel. Le débat autour de la nationalité de Katumbi n'a pas commencé avec nous. C'est depuis l'époque de ses pères, de l'AFDEL, PPRD, FCC. Et je me rappelle qu'on lui avait confisqué les passeports congolais au motif qu'il détiendrait plusieurs passeports. Et autre chose, il y a des vidéos qui sont virales sur les réseaux sociaux où lui-même reconnaissait que son père était juif, sa mère était je ne sais où. Donc, je ne sais où. Il y a lié de comprendre que nous sommes en face d'une infiltration organisée. Et lorsque la cour se prononce parce qu'il y a eu absence des éléments matériels, celui qui pouvait les produire, ça devait être soit Katumbi, soit les accusés. Or, les accusés, dans leur mémoire, ils ont passé tout leur temps à crier « loi Tiani » qui fut bloqué quelque part parce que Katumbi a aujourd'hui une dynamique très forte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il détient beaucoup de capitaux, il manipule tout le monde et on a bloqué cette motion, cette loi, qui est maintenant devenu une faveur pour lui. Donc, je ne veux plus en revenir, mais tout de même, je sais que les Congolais sont suffisamment éveillés pour ne pas se précipiter à voter quelqu'un qui ne pourra pas les servir. Parce que s'il était essentiellement Congolais, il allait commencer par condamner les M23 et le Rwanda, mais il ne l'a jamais fait. Et lui-même, il a des précédents avec les Congolais via les minéraux de Katanga. Celui qui a génué la Jekamine, c'est bien Katumbi. Un tel monsieur, comment il peut prétendre aujourd'hui venir nous dire bon, je vais gérer le Congo, alors qu'il sait qu'il a humilié le Congo, il a génué l'économie du Congo, et il fut le premier fossoyeur de notre économie. Mais si vos allégations, donc je ne veux pas parler des individus, si vos allégations, mais restons dans les dogmes. Oui, restons dans les dogmes. Restons dans les dogmes. Bien, je suis d'accord. La cour a dit la loi, et nous ne pouvons pas faire objection à cette loi parce que nous sommes dans un état de droit. Et en démocratie, le premier vecteur de la démocratie, c'est la justice. Et lorsque nous qui sommes proches du pouvoir, allons commencer par dire « la cour a mal dit les droits ». C'est-à-dire, nous estimons qu'il y a une faiblesse dans notre camp. Nous nous sommes inclinés par sportivité. Allons aux élections. Mais déjà, je ne vois pas un candidat qui peut battre Félix Tshisekedi. Voyez-vous un caractère inclusif des enjeux électoraux s'est dessiné? Du point de vue candidat, je pense que la CENI a été juste, équitable et impartial. Toutes les candidatures qui ont été déposées régulièrement ont été retenues. Et là, je pense que avec nos amis de l'opposition, nous avons salué la CENI. Mais je pense que la même attitude... Oh, ils ne sont pas d'accord avec vous, hein, les amis de l'opposition, dont vous appelez avec beaucoup d'élégance. Ils vous demandent, exigent à la CENI, d'afficher les listes bureau par bureau lors des élections. Non, mais ça, ce sont les préalables. Ouais. Mais déjà, la publication des candidatures, est-ce qu'il y a encore des remous? Je pense qu'il n'y a pas de remous. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce côté-là, ils ont accepté que les choses ont été bien faites. Les petites caprices seront réglées. Afficher les listes, c'est notre choix, nous tous. Parce que non seulement, ils ont peur de la tricherie, nous aussi, nous avons les bourreaux, nous avons nos oppresseurs, les produits de la transhumance qui détiennent des gros moyens, qui peuvent manipuler... les animateurs de la CENI, tant au niveau local que provincial, alors nous devons aussi exiger les mêmes conditions parce que les élections ne sont pas seulement pour les opposants, elles sont aussi pour nous qui sommes proches du pouvoir. Mais vous qui êtes proches du pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, vous, l'impression qui est dégagée est celle des gens qui ont craint, qui craignent Katumbi et Mukwege. Des candidats incontestables, ils sont blindés, regaillardis. Ils ont, il faut parler en termes des moyens, ils ont des moyens pour battre une bonne campagne, Mukwege entre guillemets, mais je parle des Katumbi. Et pourquoi ces deux candidats vous donnent de l'insomnie? Pourquoi tu insistes sur ces Katumbi? Parce que, en face de ce qu'il dit, je ne vois pas un candidat. Mukwege, déjà, ceux qui connaissent son histoire, la connaissent mieux. Et ce sont les candidats qui sont sous les bras, sous les mamelles des Occidentaux. Et de tels candidats ne peuvent pas servir la nation congolaise. Ça, on devra se mettre d'accord. Et dire aujourd'hui que l'opposition a peur, l'opposition ne devait pas se précipiter d'aller aux élections, le pouvoir a peur. On ne pouvait pas se précipiter d'aller aux élections. C'est aujourd'hui l'opposition qui commence à demander les dialogues. Et si nous étions pessimistes, je ne pense pas que la date du 20 décembre devait être insistée, retenue par notre camp. Donc il faut oublier ce débat.
nous sommes prêts d'aller aux élections et nous pensons que les amis ne se sont pas préparés. Jusqu'à ce jour, vous ne le voyez pas en ébullition. Ça témoigne qu'ils ont besoin d'un dialogue, peut-être qu'il viendra, qu'il ne viendra pas, parce que nous avons des frères congolais qui sont sur leur liste présidentielle. S'ils le demandent et que les chefs de l'État pensent qu'il faut faire des choses pour contenter tout le monde, moi je ne vois pas qu'il y ait d'inconvénients, parce que la République appartient à tout le monde. Aujourd'hui c'est nous, demain ça sera les autres. Donc nous devons faire les choses, les faire aussi mieux, pour que nous ne soyons pas rattrapés par l'histoire. Mais dire que nous craignons un candidat, je ne vois pas un candidat qui est à la taille de Félix Tshisekedi. Ça, j'ai même ma main coupée. Merci bien. Voici une partie de ce qu'a été le discours de Moïse Katumbi. Je vais vous lire ces paragraphes. Je tiens à saluer l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral pour redorer l'image de notre pays, a déclaré le chairman d'Ensemble pour la République. Je reviens à vous, l'homme du PMVS, Ludovic Kalingaï. Je voudrais citer tout simplement Denis Mukwege, qui est dans la partie orientale, à l'est, l'homme des Panzi, de l'hôpital des Panzi, il repartait des femmes. Vous également, vous fréquentez l'est de la RDC, il est candidat. Il maîtrise bien la question de l'est autant que vous. Il mérite un soutien de tous les Congolais parce que c'est quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied, qui travaille d'arrache-pied pour nos mamans. La plupart ont été violées. Je ne voudrais pas donner beaucoup de matière, mais qu'en pensez-vous de son profil? Bon, nous connaissons M. Mukwege, le médecin, et nous nous rappelons même que le chef de l'État a eu à beaucoup l'aimer lors de ses voyages. Il a toujours parlé des bonnes actions de M. Mukwege. Je lui souhaite bonne chance, mais j'aimerais aussi préciser, avant de continuer avec l'affaire Mukwege, j'aimerais préciser pour notre frère qui parle aujourd'hui, j'aimerais le rappeler que lorsque... C'est pour qui, M. Bamominga? Lors de Genève, la fois passée, lorsque le chef de l'État, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi se sont rencontrés à Genève, là, il était congolais. Il était congolais parce qu'il a eu le soutien de tout le monde. Quand ils sont venus, il a montré sa volonté d'adhérer à l'Union sacrée, il était congolais. Quand l'Ensemble pour les changements a eu des ministres, il était congolais. Monsieur Moïse Katumbi est devenu étranger que lorsqu'il a prononcé qu'il sera candidat président de la République. Moi, personnellement... Et quand il a quitté l'Union sacrée personnellement, de la Nation. Oui, moi, personnellement... Je dirais ce qui est vrai, qu'en ce moment, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas un adversaire qui pourrait le battre en campagne. Mais ça ne signifie pas qu'il faudrait aussi discriminer d'autres personnes. Oui, oui, on ne minimise pas et on ne discrimine pas. Parce que le fait d'appeler Moïse Katumbi étranger, c'est une discrimination. Moi, aujourd'hui, je me serais posé une question. Quelle est la preuve que nous trois sommes là, nous sommes des Congolais? Aucun Congolais n'a un certificat de nationalité. Aucun Congolais, nous avons tous des cartes d'électeur. On ne sait pas comment reconnaître un Congolais. Mais au moins, il y a une preuve que Moïse Katumbi est Congolais. Pourquoi? Parce qu'il était gouverneur de la ville. On reconnaît qu'il est Congolais parce qu'aujourd'hui, il a déposé sa candidature et ça a été recevable. Moi, j'aimerais que les propos discriminatoires puissent quitter, qu'on puisse changer le narratif. Lorsque l'on a des arguments négatifs envers quelqu'un, on ne doit pas aller dans la discrimination. Mais attendez, il y a une incise, parce que vous soulevez la question de la candidature de Moïse Katumbi, mais le débat est clos. La Cour constitutionnelle a acté que Katumbi est congolais. Exactement. L'arrêt de la Cour est exécutoire quand il est rendu. On ne peut jamais le changer. Alors c'est pour cela que non, qu'on ne mérite pas que cette discrimination continue, parce que ça existe beaucoup. Et ensuite, notre frère m'a parlé de pourquoi est-ce qu'il ne condamne pas le M23 et le Rwanda. Est-ce une obligation? Oui, quand vous êtes candidat président. C'est pas une obligation. Il est candidat président. Moi, je peux répondre à sa place. Ce n'est pas s'il y a un membre du gouvernement qui dit que le Rwanda nous agresse, que nous devons l'accepter. Non. Nous avons aussi notre droit de réfléchir, notre droit d'investiguer. C'est quoi votre réflexion? Ma réflexion, par rapport... quand la rhétorique officielle renseigne que le Rwanda soutient les rebelles du M23 qui sèment la terreur dans la partie orientale, et cela a été également reconnu par un rapport de l'ONU lors du récent Conseil de sécurité, et que vous avez un candidat à la présidentielle qui n'est pipe mot, qui reste bouche bée.
Mais écoutez, c'est tout à fait normal. Moi, je sais que peut-être que Moïse Katumbi a compris que ça, ce sont des discours politiques. Peut-être qu'il connaît les revendications légitimes du M23 et il connaît cela. Moi, je ne pense pas que c'est une obligation qu'il puisse suivre ce que le peuple sait que certaines personnes veulent. Non, lui, il est candidat président. Il a la liberté de dire ce qu'il veut au moment qu'il veut et à tout moment. Moi, je ne pense pas. On doit écarter cette hypothèse-là. Le fait qu'il ne soit pas congolais, le fait qu'il n'aille pas à condamner le Rwanda, parce que c'est depuis des décennies que l'on condamne le Rwanda. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. C'est depuis des années qu'on condamne le Rwanda, rien n'a changé. On doit régler les causes profondes des conflits. Ok, le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Pourquoi? Pourquoi on se laisse agresser pendant plus de 20 ans? On dit ici que le pays, la RDC est un grand pays, le Rwanda est un tout petit pays. Mais comment est-ce que pendant 25 ans, on nous agresse, mais on est là que pour donner des discours qui ne valent pas la peine. Mais la tendance a changé avec les jeunes Ouazalendo qui ont chassé les rebelles sur les zones. C'est que vous n'avez pas d'informations. Et en plus, il ne faudrait pas soutenir ces gens. Il ne faudrait pas soutenir ces gens. On soutient les jeunes. Non, écoutez. Même si il y a Kinshasa, nous, on est des Ouazalendo. Nous parlons de la paix en République démocratique du Congo. Si nous voulons la paix, on ne doit pas soutenir ce qui se passe à A ou à B. Même moi, personnellement, les manières de revendication du M23, je ne le soutiens pas. Mais ce que je sais, la légitimité de leurs revendications. Quelles revendications? Les retours des réfugiés. Ce sont des rebelles? Les retours des réfugiés. Non, non, les retours des réfugiés. Et la RDC, lors de la signature entre les CNDP, je l'ai toujours rappelé, ils se sont entendus avec une tripartie entre la RDC, le Rwanda et l'HCR pour les retours des réfugiés. Les réfugiés ne sont jamais revenus. Pour la cessation de la discrimination, on n'a jamais trouvé cette situation de discrimination. Alors, ce sont ça les revendications. Mais quand il y a un groupe qui étaient appelés milices le 30 août, qui ont été tués par la garde républicaine, et aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de mener un combat... Vous êtes le porte-parole du M23 ici, à Kinshasa. J'ai été toujours porte-parole de la vérité. Quelle vérité? Mais la vérité est que la revendication du M23 ne peut pas aller à gauche et à droite. Ils sont là pour le retour des réfugiés, papa. Ils sont là pour la cessation de la discrimination. On doit le dire. Ils revendiquent autre chose que ça. Mais exactement, vous pouvez me donner les revendications dont vous connaissez. Attention, le président Tshisekedi est clair là-dessus. Il n'y aura pas de négociations avec ces rebelles. En disant cela, vous donnez automatiquement la possibilité que les hostilités continuent. Parce que lorsqu'ils sont là, en République démocratique du Congo, parce que ce sont des Congolais, ils sont en train de revendiquer, même si leur manière de revendiquer n'est pas bonne. Mais quand, d'une manière parallèle, la feuille de route de Luanda, la feuille de route de Nairobi, a parlé des solutions ils politiques... Ils ne font que violer tous ces accords. Les deux parties ont violé. Alors les deux parties doivent aussi se mettre ensemble. Alors, merci à vous. Vous dites que les hostilités vont continuer. Je voudrais vous rappeler que le patron des affaires étrangères, Christophe Lutundula, oui, avait dit à la communauté internationale, représentée oui ici... Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. S'il vous plaît, que je termine d'abord oui ce qu'ils sont en train de dire. Que la RDC est prête maintenant à réagir si le M23 continue toujours à violer intentionnellement la partie occupée. C'est ça ce qu'il avait dit. Il avait parlé si une arme, si le feu atteint Goma. Écoutez, ce sont des discours. Ça fait 2 ans qu'on entend la même chose. La solution est dans le dialogue et dans la paix. On n'est pas là pour entendre les menaces de part et d'autre. Alors, prenons vraiment les Congolais. Je reviens à Bavon Minga. Élection en 2023, décembre, c'est. Dans quelques jours, vous avez suivi Ludovic Kalengaï qui dit que ça fait plus de 30 ans que nous sommes menacés dans la partie orientale et que nous devrions faire un effort de quitter le stade de pleurnicher et de privilégier les consensus, de mutualiser la force pour parler le même dialogue, mais écouter également l'idéologie ou soit les prépositions, les revendications du M23 qui voudrait le retour hic et nunc des réfugiés. Je suis un peu constipé d'entendre que celui qui porte le nom de Kalengaï qui puisse me tenir de tels propos, les propos d'un collabo. Je m'excuse si le mot est fort. Monsieur Bichou. Ça, c'est le propos d'un collabo. J'ai fait les sciences politiques. J'ai eu comme professeur l'histoire politique du Congo, le fait professeur Samba Kapoutou. Samba Kapoutou. Et mon mémoire, je l'ai défendu sur la crise à l'Est. C'était le tout premier mémoire. J'en connais les causes. Et aujourd'hui, on dit, qu'on puisse nous dire, on revendique le retour des réfugiés. Il s'agit de quels réfugiés? Vous n'avez pas suivi les propos du président burundais. Si remarque, je vais revenir
là-dessus. Je commence par la question de Katumbi. Il a été gouverneur. Ok. Cela fait de lui gouverneur. Cela fait de lui congolais. On accepte ton hypothèse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut ramener Bizimakara et Kabarebe pour les imposer au Congo comme des Congolais? Tu as la réponse. Léo Kengwadondo fut premier ministre autant de fois ici, procureur. Mais quand Mobutu est parti, à partir de Togo, il a fait une déclaration pour dire « Moi, je ne suis pas Zaïrois, je suis de mère rwandaise, de père polonais. » C'est Mobutu qui m'avait invité pour avoir mon expertise. Je ne peux qu'évoquer ce peu de cas de figure pour vous démontrer à suffisance que si nous nous comportons, nous tous comme vous, ce pays sera vendu. Je me réjouissais que j'étais en face de quelqu'un de la société civile. Alors que j'étais en face d'un militant katumbiste. Moi, j'aurais des kilos. S'il y avait quelqu'un qui pouvait se faire acheter par Katumbi, c'est quelqu'un comme moi aussi. J'ai de la gueule. Je connais mieux l'histoire politique du Congo. Mais lorsque je trouve qu'il n'y a pas moyen de mettre les pieds là-bas, je ne peux pas y mettre. Je dois dire la vérité aux Congolais, même si cela peut me coûter la vie. Vous savez que le M23 dont vous revendiquez n'a pas commencé sous forme de M23. Ce sont les résiduels de l'AFDEL transformés en RCD, transformés en ceci, en cela. Et ils gardent les mêmes commandements. Et quand tu vois ces morphologies-là, tu te dis que ce sont les réfugiés congolais. Quand on les traque, ils sont rwandais. Ils fuient pour se réfugier au Rwanda. Et ils se disent rwandais. Ils ne peuvent pas se présenter devant des cours et tribunaux internationaux. C'est comme si vous ignorez toute cette histoire. Vouloir imposer aux Congolais, Katumbi comme Congolais, oui, la justice l'a dit, nous nous inclinons. Je ne sais pas les éléments qui ont poussé la cour constitutionnelle à pouvoir les dire. Je parle en tant que Congolais libre. Là, je ne parle pas en tant que politicien. Je n'engage pas un parti politique. Je n'engage pas un camp politique. Quand Katebe Katoto, lui-même, son frère, dit « Notre papa fut juif » et que la maman Katumbi fut bonne de leur papa, Soriano, je ne sais pas comment il s'appelle, et on a engrossé sa mère par son père juif, sa mère tanzanienne. Katumbi est parti en Tanzanie, c'était visible, c'était viral. Il a dit qu'il était tanzanien. Il est parti en Israël, il a dit qu'il était juif et que le Congolais ne voulait pas qu'il devienne président de la République au motif qu'il était juif. Et il demandait l'aide, l'apport de ses frères pour qu'il fasse pression sur le Congolais. Mais il y a Eldovic qui vient nous dire nous n'avons pas de certificat, mais moi on connaît ma mère, on connaît mon père, on peut faire toute la généalogie. Est-ce que pour Katumbi, tu peux me dire la troisième généalogie? C'est pour vous dire que n'entrez pas dans ce jeu-là. C'est trop glissant. Laissez à nous qui sommes habitués à manger les macassos et les ngadias de dire des vérités crues comme ça. Vous voulez faire la politique? Il faut vous dévoiler. Je salue le courage des amis qui sont dans l'ensemble. On se respecte, on s'embrasse, on se dit tout. Mais chacun garde sa position. Mais il ne faut pas faire l'hypocrisie pour venir dire « je suis du mouvement citoyen ». Quand bien même on sait que tous ces mouvements citoyens sont dans la poche de Katumbi. Venir dire « je suis la secrétaire de la société civile ». Quand bien même toutes ces secrétaires sont affiliés à l'ensemble de Moïse Katumbi. Je ne veux pas engager un débat trop chaud avec vous, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve sur le même plateau, mais je dois être pédagogique. J'ai dit des choses qui sont appuyées. Nous n'avons pas refusé. Les droits à donner la nationalité à Katumbi. Mais qui avait confisqué le passeport de Katumbi? Et c'était nous. Nous lui avons retourné ce passeport. Nous lui avons dit qu'il a accepté d'être Congolais. Nous le prenons en charge, il devient Congolais, mais qu'il agisse comme Congolais. Vous dites qu'il ne peut pas condamner le Rwanda, il ne peut pas condamner le M23, parce que ce sont les discours politiques. Et lui vient faire quoi en politique? Quand il y a mort d'homme, mort de Congolais, un Congolais qui dit... M23 revendique le retour des réfugiés. Vous connaissez les dossiers de la carte? Vous applaudissez Mukwege. Vous applaudissez Katumbi. Un jour, stratégie. La France
peut publiciter quelqu'un gratuitement? On sait que la France est en train d'être chassée de l'Afrique avec le printemps du Sahel. Et un autre élément qui a bloqué le nouvel ordre international, c'est la donne Congo avec Fatih. On n'avait pas voulu des nationalistes. Qui est mieux ami à Macron que tous ses opposants? À l'investiture de Macron, l'unique Congolais que Macron a suivi dans la foule, c'était Fatih. Si vous l'aviez suivi, ou bien si vous avez encore une mémoire fraîche. Et tous ces gens-là étaient où? Ce sont des marionnettes. Donc, toi également, tu es trop jeune, tu as de l'avenir. Il ne faut pas te comporter comme eux. Alors, il faut se dire... Kakalenga est encore profond. Il souhaite qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Parce que lui, il s'est dit qu'il est, il aime la paix. Au nom de la paix, il est important d'éviter cette guerre qui s'invite dans la partie orientale en dialoguant. Oui, s'il est le porte-parole de M23, il fait bien son travail. Nous allons dialoguer combien de fois avec les assaillants? Il y a eu combien de dialogues qui n'ont pas abouti? Et vous savez combien ce dialogue-là nous coûte? Kabila a dialogué, il nous a déversé 60% des Rwandais dans l'armée et dans le gouvernement. Toutes les structures de l'État étaient infiltrées. Et ça, Kalenga ne peut pas évoquer ça ici. Mais vous, en tant que journaliste, vous le savez très bien. Et vous avez vu à chaque fois qu'il y a des défections au sein de l'armée, ce sont les généraux, des colonels, des majors qui sont dans la partie Est, qui se réclament de l'armée congolaise, qui deviennent subitement des Rwandais, et ils ont traversé pour la région de l'armée rwandaise. Donc vous êtes pas... Avez-vous déjà vu un Congolais faire ça? Donc si aujourd'hui on n'avait pas extirpé de l'armée une grande partie de ces Rwandais-là, de ces militaires rwandais, je pense que l'Est serait déjà occupé depuis longtemps. Mais n'est-ce pas de la discrimination si nous partons d'élections sans quelques parties, quelques villages du Congo qui n'ont pas eu le droit de s'enrôler, qui vivent sous l'occupation des rebelles jusqu'à l'heure actuelle? N'est-ce pas que ça sera perçu des mauvais oeil? Non, c'est notre préoccupation, nous tous. J'ai dit ici, je peux parler comme grand notable et je parle comme politicien. Comme politicien, il y a des impératifs en présence. Il y a l'impératif sécuritaire. Et il y a aussi l'autre impératif, celui de respecter la Constitution. La date butoir du 20 décembre. Donc, notre camp est prêt à aller aux élections pour faciliter l'émergence de la démocratie et respecter la Constitution. Mais si l'autre camp estime que nous ne pouvons pas aller aux élections et qu'ils amènent comme argument la partie Est est occupée, quoi il y a l'insécurité, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Quoi que je sois prêt à affronter même les diables dans mon territoire. On peut surseoir les élections et privilégier d'abord une table ronde qui va réunir les Congolais pour se parler, se dire des... Le dialogue est important en toutes circonstances. On n'exclut pas cette thèse. Mais sous quelle forme et avec quel cahier de charges, avec quel agenda? C'est ça la question. Est-ce que ça concerne les peuples ou bien ça concerne les individus? Tenez bon, il y a eu ce qu'on appelle la guerre en Ukraine. Depuis que ça a commencé, aucun Ukrainien n'a levé les tons pour demander les élections. Parce qu'ils estiment qu'il y a d'abord l'intérêt sécuritaire qui les concerne. Mais il n'y a eu qu'au Congo où les opposants commençaient par crier élection, élection. Là, ils n'avaient pas compris que la partie Est était occupée et on était en train d'exclure certains Congolais importants. Ils ont fait du chantage. Respectons la Constitution. Le chef de l'État, par sportivité politique et en tout démocrate, il a dit allons aux élections à la date butoir. Et quand ils ont vu que nous avons poussé, ils disent non, allons au dialogue. Je laisse la brèche ouverte. Ceux qui pensent qu'on peut aller au dialogue, ils sont les bienvenus, mais qu'ils sachent ce qu'ils veulent les réclamer. Dans l'entretemps, qu'ils ne se mettent pas en tête qu'à l'absence des élections, on peut faire le débat autour du chef de l'État. Très bien. Non, je vais chuter. Ne chutez pas là, allez-y. Et d'aider, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nous amener un agenda qui cadre avec les intérêts des Occidentaux. Parce que c'est de là qu'il s'agit.
Tous les balais diplomatiques qu'il y a vu se faire ici, c'était pour chercher à arracher la part du côté des Occidentaux et les protéger. Et là, nous serons regardants pour que ça ne puisse pas se faire. Et si on s'appuie aussi sur l'impératif sécuritaire, je pense que c'est une raison valable. Et c'est tout ça. Mais si c'est autre chose, je pense qu'il faut qu'on aille aux élections. Très bien. Info tweet, Patrick Mouyaya. Agitation, procès d'intention, préjugés. L'opposition prépare plus la contestation que les élections. Les amis de l'opposition doivent quitter la périphérie. Le seul dialogue attendu est celui avec le peuple congolais devant les urnes le 20 décembre 2023. Ludovic Alenga, vous avez suivi la position du gouvernement, même oui. Quant à ce qui concerne le dialogue avec les opposants. Donc le seul dialogue, l'unique d'ailleurs pour les gouvernements, est le rendez-vous aux urnes prévu le 20 décembre prochain par selon les calendriers de la centrale électorale. Votre co-débatteur est d'accord sur les dialogues, mais demande quid du format. Mais le gouvernement n'est pas partant. Et pourquoi vous insistez sur les dialogues? Bon, en fait, et pourquoi vous parlez du cahier des charges du M23? Il dit que vous êtes un collabo. Parce qu'un Congolais, en ce net moment, ne peut pas soutenir ce qui est fait et posé comme acte par les rebelles. Voilà, moi, mon frère me rappelle les raisons pour lesquelles j'ai quitté les partis politiques. C'est la réflexion par procuration. Notre frère nous dit... Il était focalisé dans son mémoire pour la crise à l'est du pays, mais il n'a pas eu à avoir la question sur les grands lacs de la République, les grands lacs, parce que la question de l'est se joue dans les grands lacs. Quand on parle du dialogue, moi, quand le PMVS, je parle du dialogue, je ne vois pas le dialogue entre le gouvernement et les opposants, parce que là, ça se prouve au moins que ce sont des intérêts politiques. Quand on parle du dialogue, nous, le PMVS et moi, je parle du dialogue entre le gouvernement et le mouvement du 23 mars. Vous avez bien évoqué partout où ça commençait. Quand je parle des causes profondes, vous n'avez pas parlé des causes profondes, et pourtant vous m'avez dit que vous connaissez quelque chose. Tout a commencé depuis très longtemps. Je donne un exemple simple. En 1987, les Banyamulenge et les Tutsi que vous considérez ici rwandais, n'ont pas participé aux élections. Mais ça, c'est fort encore. Laissez-moi que parler. Que nous considérons ou bien que tout le monde considère. Laissez-moi parler. Je sais que ça fait très mal ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Mais laissez-moi continuer. En 1990, il y avait la conférence nationale souveraine. Les Banyamulenge et les Tutsi étaient chassés. Il n'y avait pas guerre. Lorsque le gouvernement zaïrois à l'époque a accepté les réfugiés Hutus venir ici, sont entrés avec armes et munitions. Ils ont commencé à massacrer les Congolais Tutsi ici parce qu'ils se sont rappelés. Il n'y a pas de Congolais Tutsi, monsieur. Il faut corriger les. Non, là, je ne l'admettrai pas. Donc là, vous ne connaissez pas l'histoire. Il faut trouver une autre formule. Là, vous ne connaissez pas l'histoire. Pas me faire. Non. Dans tous les pays du monde. Écoutez, mais dire que je ne connais pas cette histoire, c'est-à-dire que je vais mettre mon temps maintenant. Laissez-moi parler. À tout étaler. Laissez-moi parler. Mais enlève d'abord ce contexte-là de Congolais Tutsi. Il y a des Bazoumbo Angolais, oui ou non? Nous parlons de l'Est, nous parlons de tous. Non, partout où il y a... écoutez, s'il vous plaît, ne m'amenez pas à vous expliquer. Vous avez besoin d'être informé sur la question des grands. Mais je suis informé, pas appelé. Je suis très disposé. Tous ces Congolais, là, vous voulez faire avaler ça à tout le monde, je ne l'accepterai pas. Congolais. Il y a des Hutus Congolais. Il n'existe pas. Congolais. Ah non, là, je dois vous apprendre l'histoire. Il n'existe pas. Partout où il y a les tracés des frontières, au niveau de Rutshuru, il y a les Hutus, les Tutsi et les Twa. Ce sont des communautés d'expression qui n'est à Rwanda. Ce sont des Congolais. Je donne l'exemple, comme vous dites qu'il n'y a pas des Banyamulenge, il n'y a pas des Banyamulenge congolais aussi, c'est ça que vous voulez me faire voir. Il n'existe pas. Mais non, je vous rappelle que le ministre des Infrastructures, Guissao, qui est l'un des ministres qui fait un excellent travail, c'est un Congolais. Oui, c'est un infiltré. C'est un infiltré, voilà. Ouais. Vous êtes en train d'accuser même que les chefs de l'État a nommé des infiltrés. Moi, je pense que dans votre parti politique, nous les avons pris dans votre panier. Voilà, on doit vous interpeller. Là, je vous dis une vérité. Allons dans l'histoire. Lorsque l'opération Turquoise a commencé, en 1995, je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport Vango. À l'époque, il n'y avait aucun groupe armé. Les Banyamulenge, les Tutsi congolais, ainsi que toutes les personnes ressortissant de l'espace Rutshuru étaient dans l'obligation de quitter la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils disaient les rapports Vango. Mais en 1995, il n'y avait aucun groupe armé. Le FDLR a commencé cette mission pour stopper cette hémorragie. Nous n'en avons pas trouvé la solution. Le RCD est venu avec le même problème. Nous n'avons pas trouvé la solution. Le CNDP est venu avec le même problème. Nous n'avons pas trouvé la solution. Et les membres du M23 ont créé des factions, ils étaient dans l'armée, pour créer le mouvement du 23 mars en 2012. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils avaient pris la ville de Goma pour les mêmes situations. Alors aujourd'hui,
Les causes profondes viennent d'où? Ça a commencé depuis très longtemps et ça a éclaté en 94 lorsque nous avons accepté des réfugiés hutus qui sont venus. Donc, parmi eux, il y avait des génocidaires qui sont entrés avec armes et munitions. C'était à partir de 94 que les trafics d'armes ont commencé à l'est du pays. Il faudrait très bien vous renseigner. Alors, lorsque vous voulez aborder la question de l'Est en République démocratique du Congo, il faudrait aborder tout cela. En Ouganda, il y a les Tutsis de l'Ouganda, il y a les Tutsis du Rwanda, il y a les Tutsis du Burundi, il y a les Hutus de l'Angola et de l'Ouganda, du Burundi, ainsi de suite. Partout dans le monde où il y a des frontières, il y a toujours des peuples qui sont de côté A et de côté B. Même quand vous allez en Belgique, en Anvers, vous allez voir qu'il y a des peuples, des Belges, d'expression néerlandophone. Ils parlent les Néerlandais, mais ce ne sont pas des Néerlandais. Alors, mon frère, si nous voulons vraiment résoudre la solution dans ces pays, nous devons trouver des solutions idoines, les causes profondes des conflits. On ne doit pas traiter les symptômes ou les conséquences. Très bien, j'ai toujours donné un exemple. Laissez-moi m'exprimer. Oui, oui, la question c'était quoi? La précision. Oh. Moi, quand je parle, quand nous parlons du dialogue, nous parlons du dialogue pour les retours des réfugiés, on voit la population. Mais dites-moi, le cahier des charges des opposants. Ces réfugiés sont où? Ces réfugiés. D'abord, comment est-ce que ils sont écoutez, où les réfugiés? J'ai donné un exemple. En 94, lorsque l'opération turquoise a été lancée, les réfugiés Hutu qui étaient de l'autre côté, quand ils sont venus, ils ont vu les Congolais tous. Ah, vous ne parlez que des réfugiés Hutu? J'ai dit ceci. Oui. Mais non, ce sont les réfugiés Hutu qui ont commis les génocides de l'autre côté. Il faudrait connaître l'histoire. Ce sont les réfugiés Hutu qui ont commis les génocides de l'autre côté. Et ils sont entrés ici avec armes et munitions. Ce sont eux qui ont continuer les massacres de tous. Et c'est à partir de là qu'il y a plusieurs mouvements de réfugiés qui sont allés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, des autres sont en Europe et ainsi de suite. Ils doivent revenir chez eux. Et qui les a interdits de revenir au pays? Mais écoutez, est-ce que vous ne vous rappelez pas que le ministre Mouyaya l'avait dit, que c'est un processus, parce qu'il y avait déjà une solution. Oui, mais ça, c'est la réponse. Non, il y avait un processus, mais écoutez, le processus, il y avait le retour des réfugiés, la sécurité de ce peuple, parce que les Hutus ont pris leur habitation, ce qui venait du Rwanda. Parce que les Hutus rwandais, vous ne les connaissez pas, ils se sont cachés derrière nous. Ils sont là, ils disent qu'eux sont des Congolais. Mais ils viennent du Rwanda. Est-ce que mon frère peut comparer? Il peut avoir une différence entre un Hutu du Rwanda et un Hutu du Congo? Non. Alors, merci beaucoup, Ludovic Galengaï. Merci. C'est la fin de votre chrono. La parole doit aller de l'autre côté. Je vais chuter. Moi, j'aimerais que ici, tous les Congolais, qu'on quitte un peu la réflexion par procuration de tous nos leaders politiques qui sont en train de nous instrumentaliser. Alors, merci à vous, Ludovic Galengaï. Nicolas Kazadi et Isidore Kwandia à couteau tiré. Le flou et l'opacité sur le budget des 9e de la francophonie organisé en juillet et août dernier à Kinshasa mettent la société civile en général et l'Observatoire de la dépense publique ODEP en particulier dans tous les États. Je prends les tweets de M. Isidore. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces dossiers? Fin de la mission d'audit, le budget opérationnel des 20 millions d'euros des 9e jeux de la francophonie audité par un commissaire aux comptes de la Direction générale des finances publiques françaises avec une note satisfaisante. Pour autant dire qu'il n'a pas détourné, il est dans le bon parce qu'il a été audité et la note est satisfaisante. Nous attendons alors l'autre son des cloches du côté du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. C'était pour vous tenir informé. Quant à ces Bafominga, je reviens à vous. Vous avez suivi le Vekalengaï qui nous parle des Tutsi Congolais, des Hutu Congolais, qui nous parle des Banyamulenge. Il voudrait que le retour imminent de ces réfugiés soit d'actualité parce que le processus qui a été déclenché par les gouvernements se robotise un tout petit peu. Votre avis? Tout à l'heure, il vient de se contredire. Hein? Vous allez revoir votre émission en rediffusion. Vous comprendrez qu'il avait avalé une pilule qui n'a pas si bien digéré. Il vient de dire tout à l'heure qu'il y a des Hutus rwandais qui se cachent derrière les Congolais et ils sont confondus. Autant, je puisse aussi te dire qu'il y a des Rwandais, de tous les Rwandais, qui se cachent toujours sur la baie de Banyamulenge parce qu'au Congo, nous n'avons pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. C'est une colline. Donc, mettons-nous d'accord. Tu as voulu que je puisse t'évoquer des causes endogènes et exogènes liées à cette crise, mais je pense que nous aurons un bon débat autour de ça. J'ai épinglé la question du Grand Lac. J'ai des publications autour de ça. Ce n'est pas à moi que tu dois venir dire qu'il faut chercher des causes lointaines et des causes immédiates. Mais pour le cas d'espèce, je pense qu'il y a un problème d'hégémonie. Il y a un problème d'hégémonie
Kagame a été clair, il avait dit que sans la partie est du Congo, qu'il considérait à son temps comme le prolongement naturel du Rwanda. C'est là la vraie question qui avait engendré l'accord de l'Emirat. Et on tourne toujours les pouces, on prend une formule, on met sur la table, le ballon d'essai, ça ne tient pas, on remue, on rentre avec notre formule, mais l'objectif, c'est la balkanisation. Donc, si tu es un vrai Congolais, tu devras être d'accord avec moi, tu as fait plusieurs incantations, mais qui ne rejoignent pas notre réalité. Plusieurs incantations. Nous avons des Tutsis Congolais, nous avons des Hutus Congolais. Au finish, vous dites, il y a des Hutus qui ont traversé. Il y a des Hutus qui étaient venus pour venir travailler ici au Congo, à l'époque des Belges. J'aimerais qu'on puisse dire, il y a des Hutus du Congo, mais d'origine rwandaise. J'accepterais. Mais dire qu'il y a une tribu au Congo qui s'appellerait les Hutus, ou une tribu qui s'appellerait les Tutsis ou les Banyamulenge, je pense que là, ça serait une société sociologique. Nous sommes en train d'hypothéquer notre culture et nous sommes en train de vendre donc, notre pays. Les Banyamulenge, d'après vous, ne sont pas des Congolais. Des Hutus Congolais, ça n'existait pas. Nous pouvons acter ainsi dans votre discours. Mais les Banyamulenge Congolais parlent quelle langue? Ils parlent Kinyarwanda. Est-ce qu'au Congo, nous avons une langue qui s'appelle Kinyarwanda? Mais le ministre Muyaya a reconnu que le Kinyarwanda faisait partie de nos dialectes et la Constitution a les droits d'en préserver. Il l'a lu dans quel ouvrage? Ah, ça, moi, je ne sais pas. Oui, allez lui poser la question. Parce que là, maintenant, il y a un problème de manipulation. Ce n'est pas parce que Muyaya a fait la communication. Muyaya n'a pas fait les sciences politiques. Muyaya n'a pas étudié l'histoire politique du Congo. Parce que moi, je n'ai pas appris le Kinyarwanda à l'école. C'est pourquoi on doit interdire à tout le monde de parler de cette question parce qu'elle est trop sensible. Et surtout que ça sorte d'un ministre qui lui a inculqué ça. Ça sont les incantations qui sont tentées d'hériter de l'ère messe noire. Et vous croyez que quelqu'un comme moi, je vais accepter que... Je suis très content de vous avoir sur ce plateau parce que je rappelle votre qualité, vous êtes expert en sciences politiques. J'ai reçu monsieur Bavon j'ai reçu quelqu'un ici récemment, son nom m'échappe, Basile Diatezoa, qui m'a dit qu'en RDC il y a des Tutsis congolais d'expression Kinyarwanda. Et je lui ai dit, ben, ça remonte de quelle année? Il a expliqué l'épopée. Mais vous également, vous n'êtes pas un cheveu tombé dans la soupe. Vous nous confirmez ici que les Tutsis congolais d'expression Kinyarwanda existent ou n'existent pas? Non, depuis la conférence de Berlin, il y a eu l'atlas qu'on avait mis en place. Allez seulement consulter l'atlas. Si vous allez voir les Tutsis d'expression Kinyarwanda existent au Congo. Nulle part il existe. Il y a un débat trop houleux, que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit ici chez nous, même en province, nous devons apprendre à dire à nos enfants des vérités. Si nous avons des pressions de l'extérieur qui pèsent sur nous, nous n'avons qu'à nous incliner et essayer un peu d'expliquer en coulisses à nos frères que si nous parvenons à accepter ça, c'est parce que nous sommes exposés, nous acteurs politiques. Mais vous, la population, il faut faire la révolution. Non, les Tutsis congolais. J'en sais un peu plus. N'existait pas. Les Tutsis congolais. J'en sais un peu plus. Parce qu'il y a des documents, si je les produis ici, on va me tuer. Ou des caciques de la FCC à l'époque, les autres sont ici au Parlement, au Sénat, qui avaient facilité encore l'implantation de certains Rwandais dans les collines de Masisi et dans les collines de Mulenge. Qu'en est-il des territoires de Mulenge et de, comment on l'appelle les territoires ici qu'on avait fait échec du côté de Banyamulenge, là, c'est. Je veux me rappeler. Où les Bizimakara, l'ancien ambassadeur des États-Unis sont allés festoyer pour dire qu'ils ont eu le statut d'un territoire, alors que c'était le début de balkanisation. On voulait faire une république autonome de Banyamulenge. Leur velléité n'a pas débuté aujourd'hui. Pourquoi tout ce temps on cohabite avec eux et il n'y a pas de problème? Il y a des facteurs que nous devons regarder en face. Accepter de cohabiter avec le Rwandais, ce n'est pas mauvais parce qu'aujourd'hui le problème ce n'est pas le Rwandais. Le problème c'est Paul Kagame. Très bien, merci okay? à vous. Alors dire que parce que nous avons accepté de cohabiter avec eux, ils deviennent automatiquement des Congolais, là j'inscris ça à faux. Très bien.
Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Ludovic Kalingaï, vous allez prendre la parole pour votre dernière fois dans cet entretien. Allez-y. Ok, moi j'ai compris que notre frère attaque tous les individus, Moïse Katumbi, Paul Kagame et tout ça. J'ai donné plus des exemples ici par rapport au massacre de Tutsi, les Banyamulenge, Kagame n'était pas encore là. Mais par rapport au tracé des frontières, je voulais vous rappeler, peut-être que vous ne connaissez pas, entre 1908 et 1910, il y avait déjà des conflits frontaliers entre l'Allemagne, la Belgique et Londres. Les tracés des frontières ont été définitivement tracé entre 1910, d'autres personnes parlent de 1916 et 1922. Vous ne savez pas que l'espace Gissing appartenait à la République démocratique du Congo à l'époque, mais maintenant c'est au niveau du Rwanda. L'espace Rutshuru appartenait au royaume Rwanda, mais aujourd'hui c'est en République démocratique du Congo. Quand vous êtes au sud Kivu, c'est aussi la même chose. Comment est-ce que vous pouvez accepter, notre frère accepte ici, qu'il y a des Bazoumbo angolais et des Bazoumbo congolais. Je n'ai pas répondu à ta question. Il refuse. Je n'ai pas répondu à ta question là. Laissez-moi parler. Vous allez avoir le temps de parler. Ouais. Je sais que ça fait très mal, mais vous devrez vous assumer. Et il refuse aujourd'hui qu'il y a des Congolais d'expression rwandophone. Quand on parle de rwandophone, on voit la langue Kinyarwanda. Kinyarwanda, c'est une langue congolaise. Parce que ça se parle au Rutshuru. Quand vous allez à Rutshuru, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Moi, j'aimerais que lorsque vous voulez tenir un débat pareil, que vous vous rendez à Masisi, à Rutshuru ou à Bunagana. Vous allez voir qu'ils parlent la langue Kinyarwanda. Parce que ça se passe partout. Déjà, j'ai donné même l'exemple à Anvers. Ils parlent la langue, le néerlandais. Mais ce ne sont pas des néerlandais, ce sont des Belges. Alors, moi, le dernier message que je transmettrai, c'est de demander à la population congolaise de demander tout le monde, même au gouvernement congolais, que nous puissions aller sur une même table. Les M23 sont nos frères. Ce sont des Congolais. Nous devons leur dire, aller au dialogue ne signifie pas accepter toutes les revendications, tout ce qu'ils veulent. Nous allons avoir un cahier des charges et la population congolaise doit être... Ludovic Kalingaï, voilà. Patron du PMVS, était notre invité. Merci à vous. Merci. Merci également à Bavo Minga. Il est cadre du parti politique Ma Part pour les Congos. Merci infiniment d'être passé. Merci Vincent. Nous vous disons également merci à vous pour l'attention soutenue. Continuez de nous écrire. Nous allons lire vos messages et demain, nous en ferons la restitution. Soyez branchés sur nos ondes. On va se retrouver très prochainement. À tous et à tous. À très bientôt. Oh.